nous y avions annoncé que nous tiendrons nos prochains travaux au Lualaba, capitale minière de la République démocratique du Congo. Nous y voilà, et nous sommes hautement honorés de l'accueil, du partenariat et de l'accompagnement que nous a préservé Son Excellence, Madame la Gouverneure du Lualaba, Honorable Fifi Masuka et tout son gouvernement provincial, et la présence annoncée durant les travaux de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 7e édition d'Expo Béton RDC, qui est la première à être organisée en dehors de la ville de Kinshasa, et c'est notre province qui est heureuse et nous, nous en sommes plus honorés en ce jour. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, cette édition qui va connaître la participation des personnalités de haute facture, en commençant par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous attendons ce jour, chef de l'État, ainsi que leurs excellences, le haut cadre du pays, est une lumière qui va luire sur toute la nation. Je voudrais, à la fin de mes propos, remercier les organisateurs de ce salon, en l'occurrence Expo Béton, pour m'avoir associé à ce grand événement qui devient une occasion pour nous de présenter à l'opinion nationale et internationale des défis majeurs auxquels mon ministère fait face pour contribuer au développement socio-économique de notre pays par les résolutions du problème de chômage et la création d'une classe sociale moyenne. En outre, par la même occasion, je félicite les organisateurs d'Expo Béton suite à leur constance et leur perspicacité qui ont permis, durant ces dernières années, de maintenir et de consolider cette initiative jusqu'à la déployer dans le Congo profond comme c'est le cas pour cette édition.